Vous en avez fait quoi de Maya? Oh, elle est chez les parents de Jérémy pour la journée, vu qu'ils viendront manger à la maison ce soir. Eh bien, ça va faire du bon monde tout ça. Toi? Évidemment. Du coup, pourquoi on est là? Pour plusieurs raisons. Pour commencer, je vous annonce que j'ai recréé le skid. Réparé, tu veux dire? Hélas non, sa programmation de base était assez datée. Et au vu de la nouvelle menace à laquelle on doit faire face, j'ai pris l'initiative de reprendre le skid de zéro. Donc, en fait, on va avoir une sorte de skid Blender Mark 2, c'est ça? Oui, c'est entièrement l'idée. Oh, je vois. Intéressant. Puis vous n'êtes pas sans savoir que depuis la dernière attaque d'Oplit il y a 3 mois, je passe le réseau au crible. Et j'ai trouvé quelque chose. Quoi donc? Un signal émis depuis les limites du réseau. Ce serait lié à Oplit? J'en ai de gros doutes. Pour tout vous dire, ce signal n'a ni IP ni signature numérique. Pourtant, Yoko arrive à en capter son émission. Si je comprends bien, tu nous as fait venir car tu voudrais qu'on aille voir de plus près. C'est ça, en effet. L'idée est que vous alliez dans la zone, que vous fassiez le tour du signal avant de revenir. Il est situé dans les profondeurs du réseau. Les profondeurs du réseau? C'est vrai, à l'époque, vous n'avez jamais eu besoin d'aller aussi loin. Le signal se trouve dans une strate en dessous du Deep Web.